parents. Cette cérémonie a été initiée par l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Son Excellence M. Soro Kibafori Guillaume, qui me charge de vous transmettre ses sincères salutations. Recevez par ailleurs, chers parents, les cordiales salutations de Mme Sylvie Tagro, l'épouse de Guillaume Soro, qui a une pieuse pensée pour les enfants de Kouette. Notre démarche, chers parents, s'inscrit dans la politique sociale de Guillaume Soro, qui à chaque rentrée scolaire accompagne les familles défavorisées. Aujourd'hui encore, il nous a chargé de venir au quartier Kouette pour remettre les kits scolaires que voici à nos enfants. Il nous invite à les suivre à la maison en vue de recevoir leur éducation, formation. Patrie des possibles. Je l'ai dit dans mon discours à GPS, le président Guillaume Soro et toute la direction du mouvement, il faut bâtir cette Côte d'Ivoire de demain où on ne tient pas compte de la position sociale des parents, des élèves, pour qu'ils soient positionnés demain. Ce qui compte pour nous, ce qui compte à GPS, ce qui compte pour le président Guillaume Soro, ce sont les mérites. C'est avec les mérites des uns et des autres que nous allons avoir des citoyens demain pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc ici, ce n'est pas la position sociale qui compte, mais c'est plutôt le mérite. Tous les bénéficiaires des kits scolaires pour dire merci à Papa Soro Guillaume. Nous voudrions aussi remercier notre papa de la commune, Papa Yeo Baba, pour toute la joie qu'il nous procure en cette année scolaire. Ces précieux kits scolaires nous seront d'une grande utilité. Nous faisons donc la promesse à notre donateur d'en faire bon usage durant cette année scolaire et d'obtenir d'excellents résultats à l'école. Nous voudrons donc dire un grand merci au président Guillaume Soro. Par ailleurs, nous savons la situation des îles que traverse le président de GPS. Nous voudrons lui témoigner tout notre soutien. Dans les moments de joie, comme dans les moments de difficulté ou de tristesse. Il suffit seulement que l'information vous parvienne pour que vous aménagez votre calendrier parfois chargé, pour poser des actes qui marquent des vies. Cela est preuve d'amour pour son prochain et Dieu vous le récompensera. Ce qui vous a d'ailleurs valu le prix du meilleur agent de développement l'année dernière. Nous sommes dans la joie et nous vous remercions infiniment. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse.
Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.